Rebonjour mes amis, nous sommes à Bayonne, à Bayona, ça c'est du basque, nous allons l'expliquer, au bord de la rivière la Nive, qu'on appelle aussi en basque rivière Ibai. Donc Bayonne, d'où c'est que vient Bayonne? Alors la facilité c'est de comparer avec la langue, une langue actuelle, le français par exemple, et dire parce qu'ici on fabriquait des baïonnettes. Alors ici il y a des gens qui m'ont dit, il y avait des forts, et les soldats avaient des baïonnettes. J'ai entendu aussi qu'à Bayonne, il y avait les punaises baïonnettes. Alors, en règle générale, si ici, au sud de la Garonne, et même dans la vallée de l'Aude, de la Méditerranée à la côte atlantique, si vous cherchez à expliquer les toponymes et les noms de famille en faisant un rapprochement avec la langue française, ou même une autre langue moderne, quelle qu'elle soit, vous êtes sûr de vous tromper. Ça fera très joli, mais c'est faux. Ces langues, donc on va Bayona, ces langues sont des langues anciennes. Et on va dire même la première langue que parlait l'humanité. Je vais vous expliquer cela maintenant. En fait, ce que je vous ai dit, c'est pas tout à fait exact. Parce que, à la fin, nous avons le A. Et le A, c'est l'article. Et l'article est apparu relativement tard, ici, sur les bords de la Dour, vers le XIIe siècle. Auparavant, on parlait une langue, avant l'arrivée des Romains, et encore toujours, qui s'appelait l'Aquitaine. L'Aquitaine, c'est la langue la plus proche de celle que parlait l'homme préhistorique. Et cette langue a évolué, elle s'est transformée en gascon, un peu plus à l'ouest, notamment de là où je viens de Luchon. Et ici, l'Aquitaine s'est transformée en basque. Le bascon, c'est une langue latinisée. Le basque n'est pas latinisé. Et au IIe siècle est apparu l'article. Alors, tout d'abord, l'article dans les langues latines, pourquoi? Parce que le latin n'a pas d'article et le français a des articles. L'Aquitaine n'avait pas d'article. Et le basque a un article. Mais a une différence. C'est que le français, qui n'était plus une langue qu'on appelle agglutinante, c'est-à-dire où on raccroche les nouveaux arrivants à la fin, les mots se forment par agglutination comme toutes les langues anciennes, le français a mis l'article devant. Et je dis la maison, par exemple. Etc. ou les maisons. Par contre, le basque est resté une langue agglutinante et quand l'article est apparu en basque, eh bien on l'a mis, selon une règle qu'on va voir maintenant, on l'a mis à la fin. Et A, c'est l'article le en basque. Et c'est l'article qui est mis à la fin. Bayona, ça c'est du basque. Maintenant, je vais transformer ce mot basque en mot aquitain, c'est-à-dire je vais remonter avant le XIIe siècle, je vais enlever l'article, je vais le faire de suite, je vais passer derrière, voilà, j'enlève l'article, et nous avons Bayon, et ça c'est de l'Aquitaine, c'était avant que l'article apparaisse, Bayon. Donc il ne nous reste plus qu'à expliquer Bayon. Comment allons-nous faire? Je vous ai dit que toutes les langues sont issues de langues agglutinantes. Elles se sont ensuite transformées. Mais l'origine est agglutinante. On va prendre le cas du français. Le genre, le nombre, le pluriel, vous le mettez à la fin. Les conjugaisons du verbe, vous les mettez à la fin. On agglutine. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, est apparu l'article latin, on l'a mis devant. Et pour comprendre qu'est-ce que veut dire ce nom, d'où il vient, il faut le démonter dans le sens contraire où il s'est monté. C'est comme un mécanisme. Pour le démonter, on enlève la dernière pièce qu'on a mise au montage et on remonte le temps. Ici, nous allons remonter le temps. On va démonter, on a déjà commencé, on a enlevé l'article, 12e siècle. Et on va remonter le temps en démontant le mot à partir de la fin, pour comprendre
Qu'est-ce que veut dire chaque particule suffixe qu'on a ajouté pour jusqu'à trouver la racine. Dans l'étape suivante, c'est on. Qu'est-ce que veut dire on? Alors, je vous le dis directement, c'est une déclinaison de la langue aquitaine qu'on retrouve ailleurs. Vous avez entendu parler d'Arcachon. Moi, je viens de Luchon, de Moustajon. Alors, si c'était ici, on ne dirait pas Luchon, on dirait Luchonna. Ou on dirait Arcachonna. Ceci, c'est le locatif. Et la signification, je vais expliquer maintenant, mais je vous le dis de suite, la signification, ça veut dire que c'est ici, on, que c'est à nous, que c'est ici. Donc, je vais prendre, c'est que j'ai mis le... Alors, j'ai là. Nous sommes au bord de l'eau. Le nom de l'eau, dans beaucoup de langues, dont le basque, c'est our, et c'est le bruit de l'eau. Aller au bord d'une rivière, pas ici, mais en montagne, moi je suis né sur les bords de l'Aune à Luchon, c'est le bruit éternel, our, au bord de l'eau. Our. Et l'eau emporte. Et je vais vous dire au loin, en basque, je vais vous dire urun. S'éloigner, je veux dire uruti. Je vais vous dire la ville Iri qui est là-bas, Urum, ça fait Irun, vous connaissez, c'est ici à la frontière espagnole. Ce qui fuit, c'est Ur, Urum. Et ce qui est devant moi, c'est Aur. Alors, je vais l'écrire. Je vais l'écrire là. Ah, il y a du chocolat. Ce qui est devant moi, c'est Aour. Aour. Je vais vous donner un exemple de suite. L'enfant, on le porte devant soi. Et je vais vous dire l'enfant en basque, c'est Aour. Parce qu'on le porte devant. Je parle avec quelqu'un, je vois son visage. Le visage que j'ai devant moi, Aour, devant, il s'appelle Aour Peggy. Je regarde ma main, ma paume de ma main que je tiens devant moi, et je vous dis la paume de la main en basque, c'est Aour. C'est tout ce qui est devant moi. Et Aour se divise en Aour, Or. Et le troisième, je vais l'écrire ici, je vais l'écrire Ar. De suite, l'homme a voulu se positionner, comprendre son environnement. C'est le premier réflexe de n'importe quelle personne, où qu'elle soit. Où c'est que je suis, qu'est-ce qui est à proximité et qu'est-ce qui est au-delà. Qu'est-ce qui est à proximité, c'est Aou, ici. Et je prends le nom. Je prends le nom Aou. Nous sommes les Aou. Nos ancêtres, c'était les Aou. Nos amis, ce sont les Or. Notre ami, c'est le chien. Je vous dis, par exemple, le nom du chien en soulétain et dans d'autres langues, c'est Or. Le cochon en basque, l'ami de l'homme, le cochon, que l'homme a de suite domestiqué, c'est Ordox. Je suis même passé dans certaines langues, puisque en anglais, par exemple, le cheval, c'est horse. Horse. Et ce qui est au loin, c'est l'ennemi, c'est l'inconnu, c'est ar. Et je vais vous dire, cet animal qu'on craint dans les Pyrénées, qui mange notre mouton, cet animal héréditaire, c'est art. Art. Ce, ça veut dire beaucoup. Et art, c'est celui qui est loin, qui est extrêmement étranger. C'est l'ours. C'est l'ours en basque, c'est l'ours en arménien, c'est l'ours en grec. Je vous ai dit que le basque, c'est la langue préhistorique de l'homme.
Le monde est divisé en trois parties. Je répète, le monde à Oure, qui est devant nous, est divisé en trois parties. En haut, ici. Or, notre environnement proche est ar, au lointain. Je vous dis, étranger en basque, c'est arotz. Je vais vous dire le arotz. L'ennemi en basque, c'est ariotz, ce qui est loin. Même dans d'autres langues. Je vais vous dire, j'avais commencé au Caucase à étudier le tcherkès, juste un petit peu. Le monde est également, comme dans toutes les langues, divisé en trois. C'est ici, c'est mur, mort, et au loin, c'est ar. Il, c'est ar, c'est celui qui est loin. C'est celui qu'on connaît peu, c'est celui qui est étranger. Ar. Je vais reprendre une feuille. Ça va aller. Je le mets là. Je vais faire comme ça. Je vais mettre une autre. Je vais faire comme ça. Je le réécrire. Je recommence, je le réécris avec des couleurs différentes. Ah. Or, c'est le monde divisé en trois. Et où? Et une fois que j'ai divisé le monde en trois, je définis mon périmètre de sécurité. Où c'est que je peux évoluer sans danger, et là où il y a un danger. Et c'est là que je vais utiliser la déclinaison. Quand je vais dire, je vais mettre cette déclinaison donc à la fin des mots, cette terminaison, pour dire où c'est qu'elle se trouve. Ici, ça fera. Et là, ça fera. An. Je vais faire noir. Bon, ça veut dire c'est mon périmètre de sécurité où je suis moi et où il y a mes amis, c'est pas loin, on peut y aller tranquille, c'est cette déclinaison qu'on mettait en langue aquitaine à la fin de tout mot pour le situer géographiquement par rapport à soi. Bon, c'est comme ça que nous avons Bayon, nous avons Arcachon, nous avons Luchon, nous avons Moustajon, ça c'est des pays d'où je viens. Etc. Je vous laisse compléter la suite. Et on retrouve ces terminaisons au sud de la Garonne, en pays aquitain, c'est-à-dire en Gascogne, où on parlait autrefois l'aquitain, et au pays basque, où on parle aujourd'hui un aquitain moderne, le basque. Et en, c'est loin. Lusignan, Marignan, etc. Ça veut dire que c'est loin. Que c'est éloigné. Donc, nous savons déjà que l'aquitain est une langue qui décline, et il y avait, on verra après d'autres terminaisons, il y avait la déclinaison locative. Cette déclinaison permettait de situer, sans rajouter un autre mot, de situer où se trouvait ce mot, ce nom et cette personne. Donc, Bayon, c'est la déclinaison locative. On a expliqué ça, donc je cache Bayon. Je vais prendre un scotch. Je l'ai là. Nous avons expliqué Bayon. Et il reste Bailly. Bailly. Donc, on continue. Maintenant, on va passer à I. Je pense que là, vous y voyez. Donc, je vais mettre cela. I. Je vais faire un hiéroglyphe qui veut dire grand. Je vais mettre une barre.
Et pour montrer que c'est grand, que ça monte encore plus haut, je mets un point ici. I veut dire grand. Et bas. Bas, ça veut dire femme. Alors, lorsque je dis ça aux Basques, même à des professeurs de Basque, ils ouvrent des grands yeux et ils se demandent qu'est-ce que je suis en train de leur dire. On va prendre le cas du Basque. Vous prenez tous les noms de, presque tous les noms de parenté en Basque et se termine par bas. Parce que la position se faisait par rapport à la femme. La femme, c'était la mère de famille, la mère de la tribu, bas. Je vous dis le frère, c'est Areba. Je vous dis également le frère de la femme, c'est Nieba. Be ou peu. Je vous dis la sœur de la femme, c'est Aispa. Ba. Je vous dis la tante, c'est Iseba, etc. La terminaison ba veut dire femme et le nom de parenté se détermine par rapport à la femme. C'est pour ça qu'on met ba à la fin. Et c'est pas uniquement en basque. Par exemple, je vais vous dire « ba » femme en russe, et je vais vous dire « baba ».« Baba », c'est un exemple. Et « baï », c'est la grande femme. « Baï ». Nous étions à l'époque matriarcale. Et on vient de découvrir que ce mot « bayonne »,« baï », a été fait à l'époque patriarcale. Et ce n'était pas l'homme qui avait raison, c'était la femme. Et je vais vous dire oui en basque, je vais vous dire baï. Et ba, c'était la première, bat. Bat, c'est la fesse. Bat, c'est un en basque. C'est le chef. Par exemple, en ukrainien, le père, c'est batka. Même quand le pouvoir est passé à l'homme, eh bien, l'homme a pris le pouvoir et le nom de la femme, batka. Ceci, c'est Baï, la femme grande. Et la femme grande, elle allait chercher de l'eau à la rivière. Et en prenant l'eau, il y avait son reflet. Et son reflet, le reflet, qu'est-ce que c'est ? C'est l'icône, c'est l'esprit. Et le reflet, l'idée, l'esprit, est encore plus grand. Et pour montrer qu'il est encore plus grand, je vais rompre avec la règle que je vous ai dit au tout début, la règle du petit train. On va mettre grand, non pas devant, derrière, mais on va le mettre devant. Je vais le faire de suite. Si ça marche, ça marche. Et c'est Ibaï. C'est la rivière en basque. Ibaï. I, c'est... On va prendre l'exemple en français. De Gaulle, c'était un homme grand. Il faisait 1,90 m ou je ne sais plus combien. Mais aussi, c'était un grand homme. Napoléon, bien qu'il était petit, c'était un grand homme. Donc, pas grand par son physique, il était petit, mais grand par son esprit. Et on ne met plus le suffixe à l'arrière, mais on le met devant. Alors, je vais vous prendre un exemple. C'est les processions. S'il y a une procession qui passe, vous mettez derrière et vous suivez. Mais si vous arrivez dans une procession et vous portez la croix, on vous dit non, vous ne mettez pas derrière, il faut passer devant. Et de mettre devant, c'est une forme de respect. Dans ce cas-ci, c'est le mot grand, i, l'adjectif grand i qu'on met devant. Mais dans d'autres cas, qu'on verra, ce peut être l'apparition d'un nouveau culte. À l'époque où je vous parle, c'était le culte de la mère. La mère était devant. Et ensuite, la société a évolué. Il y a eu une révolution sur Terre. On est passé du matriarcat au patriarcat. Et l'homme est passé devant. On ne le verra pas aujourd'hui. Il est passé devant sur Terre et au ciel. Bas n'est plus devant. Mais Bayonne a été fait à l'époque du patriarcat, et pour élever la signification de Baï, la grande femme, on a dit, pour désigner son esprit, c'est-à-dire son icône qui se reflétait dans l'eau, on n'a plus dit Baï, mais on a dit Ibaï. Alors pourquoi ? Parce que l'homme, de suite,
il a cru à l'esprit et que l'esprit survivait le corps après sa mort. En fait, il n'y avait pas la mort, c'était l'éloignement. Et une des premières croyances, ça a été la réincarnation. C'est que l'esprit s'est réincarné dans autre chose, dans des objets, dans des animaux. Et dans ce cas-là, comme on voyait le reflet de la femme sur l'eau, son icône, lorsqu'elle est cherchée tous les jours de l'eau à la rivière, la réincarnation de cet esprit s'est faite dans l'eau. Et la rivière a pris le nom de la femme, Ibai. Voilà mes amis, c'était la première vidéo que je fais sur le sujet. J'espère que ça vous a plu et j'en ferai d'autres. Bonne journée, à bientôt.